Yop tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Whiteout en éclair. Donc dans cette partie j'étais accompagné de Onzkt Rise, à chaque fois j'ai du mal à le prononcer ce nom, et de Green V2, donc dédicace à vous les mecs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle KM, donc désolé si j'ai pas proposé pardon, de vidéo ce week-end. J'avais pas trop envie d'en proposer tout simplement, donc quand j'ai pas trop l'envie, bah j'en fais pas, je vais pas me forcer. Puis j'avais envie de vous faire des gameplays, donc j'ai plus joué que de faire des vidéos. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une KM assez spéciale, donc ma première KM au sniper, donc j'espère que vous allez l'aimer. Donc voilà, donc la classe de ce sniper, donc le VKS, va s'afficher maintenant. Donc voilà, j'ai fait un petit screen de la classe pour que ça soit plus explicite, pour que vous compreniez mieux la classe, pour que vous puissiez la voir de vos propres yeux, pardon. Donc là j'ai coupé le gameplay, donc on se retrouve dans la deuxième partie, donc dans la deuxième manche, parce que en fait j'ai commencé un peu le début de ma série dans la première manche, et j'ai fini donc ma série comme vous allez le voir dans la seconde manche. Donc cette KM je l'ai réalisée à peu près en 4 minutes 40, 4 minutes 30, un truc comme ça. Donc au sniper c'est assez correct. Donc voilà. Et donc dans cette vidéo je voulais vous parler de plusieurs choses. Donc d'un petit sujet pendant toute cette vidéo je vais parler un peu de ça. Donc deux questions à vous poser aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez vraiment interagir dans l'espace commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vais un peu voir vos avis. Donc la première question c'est selon vous, donc votre propre avis, quel est le meilleur Call of Duty? Donc voilà, donc je vais dire tout ça, je vais dire quel est mon Call of Duty préféré à la suite de ces deux questions. Et la deuxième question est, selon vous, si vous pouviez faire le propre Call of Duty que vous voulez, donc vous êtes chez Activision, vous êtes le chef de projet, enfin voilà, en gros vous êtes le chef, le plus haut chef, et vous dites, ouais moi le Call of Duty je veux le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et bien selon vous, comment vous le feriez ce Call of Duty? Donc voilà, c'est ces deux questions que je vous pose aujourd'hui. Et donc moi je vais en parler durant cette vidéo. Donc déjà je vais dire mon Call of Duty préféré. Donc moi ça reste franchement Call of Duty Black Ops 1. Un Call of Duty vraiment très très bien, avec des armes équilibrées. Sauf la KU un peu qui était un peu cheatée, bon, avec tir rapide. Encore sans tir rapide ça allait, mais avec tir rapide c'est vrai qu'elle était un peu abusée. Mais sinon des armes vraiment équilibrées. Je m'excuse aussi si des fois je canarde avec le VKS, mais des fois j'avais trop peur de me faire tuer. Et j'ai pris le L115 à un moment, voilà, avec un thermique aussi. Donc j'ai dû faire un kill avec, je crois, un ou deux kills, pas plus. Voilà, voilà. Donc le Call of Duty Black Ops 1, donc mon Call of Duty préféré. Donc avec des maps vraiment très intéressantes, notamment Summit, Radiation, il y avait quoi d'autre, Grid, Havana, franchement dans ce jeu j'aimais toutes les maps sauf, c'était laquelle que j'aimais pas trop, non j'aimais tout en fait, en fait j'aimais toutes les maps, ah oui Array elle était bien mais elle était un peu grande je trouve, c'était un peu du Battlefield le truc, même si sur ce Call of Duty Ghost on peut remarquer que c'est un peu du Battlefield aussi en termes de map. Et voilà, donc je vais vous parler un peu de la deuxième question là que je vous ai posée. Donc selon moi, comment je ferais mon Call of Duty? Donc tout d'abord, ça serait un genre de Call of Duty 4. Donc pour ceux qui ont connu Call of Duty 4, ils doivent savoir de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas connu Call of Duty 4, donc c'était un jeu vraiment, comment dire, à la source quoi, comment dire. Il n'y avait pas de trucs cheatés, toutes les armes étaient équilibrées, il n'y avait aucun truc pour avantager les noobs, alors que maintenant ils font que ça, maintenant Activision, des trucs pour avantager les noobs, les EEI et les conneries comme ça. Donc faire un Call of Duty comme ça, un peu à la Code 4, avec juste comme équipement de combat, donc assaut, soutien, spécialiste, on laisse juste les spécialistes. On met pas d'assaut, on met pas de soutien, on met juste les spécialistes, avec des armes un peu équilibrées et des maps assez de taille moyenne et de taille petite. Donc selon moi ça serait ça mon Call of Duty préféré, donc selon mes goûts. Donc voilà, la vidéo va bientôt se terminer, j'espère que vous avez aimé la vidéo,
J'ai essayé vraiment de faire un bon commentary, donc j'espère que vous l'aurez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le commentary, la vidéo, la KEM au VKS. Donc là, je lance ma KEM. C'était Blackboard HD. Laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.